Stéréa, merci mille fois d'avoir patienté pour cette soirée tout à fait exceptionnelle. En premier lieu, vous allez découvrir dans quelques minutes Quartet. Le film sortira dans les salles le 3 avril prochain. Et je tiens à remercier tout particulièrement ceux grâce à qui on a pu organiser cette soirée. Et en l'occurrence, Pyramide et Eric Lagesse qui nous ont permis d'organiser cette soirée. Je vais vous demander de les applaudir parce que c'est réellement un événement d'avoir pu organiser cette avant-première. Alors pour présenter le film, déjà je vais inviter à me rejoindre celle qui est un petit peu à l'origine de ce projet, celle qui a fait basculer Dustin Hoffman de l'autre côté de la caméra. Merci d'accueillir la productrice de Quartet, Finola Dwyer. Que vous allez découvrir. Merci d'accueillir Sir Tom Courtenay. Alors vous savez, pour un film réalisé par un acteur, la directrice de casting, c'est un élément essentiel, elle est là ce soir. C'est elle qui a réuni l'équipe que Dustin Hoffman a dirigée. Merci d'accueillir Lucie Bevan. Alors, c'est en 1967 qu'il s'impose comme l'un des plus grands noms du cinéma mondial pour le rôle de Benjamin dans Le Lauréat. Ensuite, il diversifiera sans cesse son registre en vagabond italo-américain dans Macadam Cowboy, en pionnier centenaire dans Little Big Man, en bagnard bien sûr dans Papillon. Vous le retrouverez ensuite dans Kramer contre Kramer, dans Tootsie, dans Rain Man. Sa carrière en tant qu'acteur a évidemment duré plus de 40 ans. Et 40 ans après, il a choisi de passer devant, derrière la caméra et de quitter les feux de la rampe pour sa première réalisation. Ce soir, c'est une légende du cinéma mondial qu'on va accueillir. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de lui réserver le plus grand des accueils, Monsieur Dustin Hoffman. Le baiser de la Tosca est un documentaire que j'ai vu et qui est un récit.
Daniel Schmidt, vous pouvez voir, qui s'appelle Le Baiser de Tosca, et c'est lui qui a donné l'idée à Ron Howard d'écrire un scénario. Ce documentary was made in 1983. You can buy it online. Il a été tourné en 1983, vous pouvez le trouver sur Internet. It's not expensive. C'est pas cher. But Verdi, the great opera composer, toward the end of his life, he decided to build a mansion for himself. On y voit que Verdi, vers la fin de sa vie, a décidé de construire une belle maison pour lui-même. And he knew so many opera singers and musicians who, when they were at their peak, had played places like La Scala, and then 20 years later could not pay the rent. Il était entouré de gens, de grands artistes d'opéra qui avaient joué ses propres opéras à la Scala par exemple, et puis 20 ans plus tard se trouvaient à la retraite et ne pouvaient plus payer leur loyer. And he put in his will that after he died, this mansion which he built for himself should go to all these former opera singers and musicians who could no longer afford to pay the rent for where they lived. Et Verdi a donc écrit dans son testament que cette maison devait aller à tous ces chanteurs, ces grands artistes d'opéra, qui n'auraient plus payé leur loyer. Excusez-moi. It still exists in Milan. It's called Casa Verdi. Ça s'appelle la Casa Verdi, ça existe toujours près de Milan. Ron Howard, who wrote this play, which then became a film, that documentary inspired him. Ron Howard a été inspiré par écrire une pièce de théâtre, qui ensuite est devenue un scénario pour ce film. Il a été inspiré par ce documentaire, par cette histoire. When I saw it with the cinematographer John de Borman, I said, we have to try to put on screen what they have accomplished in the documentary. Quand j'ai vu ce documentaire, j'ai dit au directeur de la photo, il faut qu'on arrive à faire avec ce film ce qu'ils ont fait dans le documentaire. These great musicians and opera singers who had once been so great could no longer move and have the same mobility in their bodies because they were all in their 70s and 80s and 90s. Avec tous ces grandes légendes de l'opéra qui n'arrivaient plus à cause de l'âge à se mouvoir et à chanter, tout simplement à cause de l'âge, mais qui avaient été au summum de leur carrière des grands artistes. But still, they had this passion to sing. Mais il y avait toujours cette passion, la passion de chanter. And I asked the casting director, who was suggested to me by Fanola, to find real opera singers and real musicians so we could put them in the film to surround the stars, Tom Courtney, Maggie Smith, Pauline Collins, and Billy Connolly. Et j'ai donc demandé à la directrice de casting de trouver aussi pour nous d'anciennes gloires de l'opéra pour entrer, pour meubler, pour être habité dans cette maison et ainsi accompagner les quatre vedettes de notre film. And without Lucy, on a trouvé Lucy. We would not have these people on screen. Sans elle, on n'aurait pas pu rassembler. She found us. What was extraordinary is that none of us who made the film knew that once they got this phone call, because no one had called them for 20 or 30 years, that they would all come and give us 12, 14 hours a day in cold weather with such passion and dedication. Ce qu'on ne pouvait pas savoir, c'est que toutes ces personnes, quand on les a appelées, n'avaient pas été appelées par nous. Ils sont professionnels depuis des années et des années et qui nous ont donné chacun 12-14 heures par jour, même par tous les temps, même sous la pluie. But the film became more than just making a film. It became a spiritual experience. Le film n'a pas été simplement un tournage, mais une expérience spirituelle. Merci. Je vais vraiment l'applaudir très fort pour cette super présentation. Merci beaucoup. Tom Courtenay aimerait vous imiter le réalisateur de ce film le premier jour du temps.
so excited. We're excited. Il est resté comme ça pendant une semaine.